Allez, c'est parti. Donc, vidéo pour quand tout va mal. Hors du Pays de la Loire, saison 4. Quand tout va mal, ben, si c'est au tout début, vous venez de le recevoir, il y a des trucs qui se passent mal, eh bien, vaut mieux le réinitialiser. Tout va mal, c'est dans la fenêtre portail d'entreprise, vous avez un petit drapeau, là moi je vois un 2, mais vous avez 25. Vos installations d'application ne se passent pas bien, elles n'aboutissent pas. Ou alors vous avez le Windows Update avec 25 mises à jour qui passent pas non plus. Là je suis en train de taper portail d'entreprise, hop, histoire de vous montrer comment accéder au fameux petit drapeau. Donc là, la petite maison, c'est parfait. Le petit drapeau, là, ici, j'ai deux trucs qui coincent. Alors, j'ai une installation Office en cours, ça coince pas, mais j'ai un message d'erreur. Le deuxième message que je n'ai pas eu le temps de lire. Si je veux voir les Windows Update, c'est démarrer paramètres. Là, je vais descendre tout en bas Windows Update. Et puis là, j'ai 25 mises à jour qui ne passent pas non plus. Échec d'installation. Donc, quand on en est à ce niveau-là d'échec, le plus simple, c'est de réinitialiser. Après avoir téléphoné à la région, elle m'a dit, c'est très simple, vous appuyez sur la touche Shift. Donc là, je vous présente la touche Shift, la petite flèche. Et je vais, avec ma petite souris, aller sur le bouton démarrer de Windows et puis redémarrer. Donc là, de redémarrer, vous le voyez bien, c'est lui. Quand vous avez réussi à faire ça, hop, votre PC redémarre, vous avez la petite fenêtre patienter, c'est bon signe, et vous allez tomber dans l'univers des petites fenêtres bleues qui font peur, et vous avez raison, mais qui permettent de réinitialiser le PC. Alors, procédure 20 minutes, et puis après vous rajoutez 20 minutes pour la première initialisation. Alors, ça va me donner quoi? Fenêtre bleue, redémarrage, région Pays de la Loire, préparation. Cool. Ça tourne. Donc, pour avoir ça, hein, c'est Shift et la souris, démarrer Windows, redémarrer. Là, je vais prendre dépannage, choisir une option dépannage. Toc. Réinitialiser ce PC. Alors, je ne me suis pas servi de ce PC, de toute façon il ne marchait pas depuis le début, donc je prends supprimer tout. Après, réinstallation locale, me dit la région. Après, préparation, que vais-je avoir d'autre? C'est long, là je vais prendre oui, l'opération, voilà. Alors là, la région me dit que nettoyer entièrement le lecteur, ça prend du temps, ça ne sert à rien, donc supprimer simplement mes fichiers. Préparation. Donc là, il doit faire un grand ménage. Et là, je ne lis pas trop bien, mais je vais cliquer sur réinitialiser. Ça doit être un truc qui me dit que je vais tout perdre. Mais je n'avais rien dessus, donc je n'ai pas peur. Réinitialisation de ce PC, c'est en bas. La petite barre d'avancement n'existe pas, mais vous avez un chiffre qui est censé monter. Ça peut être long. Je crois que dans la vidéo, à un moment, j'ai mis sur pause. Vous patientez, oui, alors pour aller plus vite, RJ45 c'est mieux que le Wi-Fi, voilà. Et puis comme ça risque d'être long, ça serait bien aussi de le brancher. Vous remarquerez que sur la droite, là, le chargeur est en place. Donc j'attends, là il redémarre, mais dans mon petit écran bleu, c'était explicitement écrit qu'il allait redémarrer. Votre ordinateur tout en bas là peut redémarrer à plusieurs reprises et assurez-vous qu'il est branché. Donc branché, oui, alimenté quoi sur le secteur. Donc quand on est comme ça, ben on attend, on patiente et on ne l'abandonne pas parce que des fois il va vous poser des questions ou pas. Donc ça avance lentement mais sûrement. Faites ça par une journée de pluie, l'automne arrive, ça tombe bien. Bon, ceci dit, quand tout se passe bien, c'est un bel objet. Alors ici, eh ben ma foi, ça doit être un méchant redémarrage. C'est peut-être bien le dernier.
Bienvenue. Oui, je vais maintenant. Alors 64%, c'était un faux bienvenu, mais à un moment, j'en aurai un vrai. Ça, c'est l'alimentation. Ça, c'est le RJ45. Et sinon, vous le faites en Wi-Fi. Mais on y est presque arrivé. Voilà. Donc là, veuillez patienter. C'est le dernier redémarrage. Je vais enfin avoir la fenêtre Windows. Je vais pouvoir mettre français. Donc là, j'ai repris la procédure classique comme si j'avais déballé pour la première fois mon PC. Français. Bah oui. Après, pays France. Ben oui. Et puis, après un certain temps, donc là, quelques mises à jour, d'où l'intérêt d'être en Ethernet, câble Ethernet, et après cette recherche des mises à jour, je vais enfin pouvoir saisir. Donc ça redémarre, enfin pouvoir saisir l'identifiant et le mot de passe de Léa. Et je vous rappelle que l'identifiant, c'est le fameux prénom.nom, arrobase, le RNE, donc ça c'est le numéro d'immatriculation du lycée, pour nous, Jules Rieffel 044 206 1B, point, Pays de la Loire, point, éducation. On aura tous les élèves de seconde qui ont un PC offert par la région. On aura tous la même fin. Donc c'est là que je vais voir apparaître la petite fenêtre d'authentification. Donc je vous l'ai expliqué. Login@RNE, Pays de la Loire, point éducation. Et j'ai dû donc reformater, réinitialiser le PC de Léa parce que la première fois qu'on l'a allumé, on a fait continuer quand même le petit bouton bleu lors du premier démarrage. Chose qu'il faudrait ne pas faire. Voilà, donc cette vidéo s'achève. Léa est partie avec son portable. Elle doit être heureuse, elle peut travailler. Je crois même que je lui ai installé Tony sur son portable pour qu'elle puisse travailler. Voilà, allez, fin de cette vidéo. À première vue, il n'y aura plus grand-chose à l'écran. J'attends encore un peu. Ah, voilà, les fameuses trois étapes. Préparation, on a tous eu la coche verte, mais attention, c'est configuration de l'appareil, la deuxième en dessous, là, qui ne doit pas être sauté. La troisième, vous pouvez laisser. Allez, fin de l'enregistrement.